Alors, je continue. Alors, j'ai collé mon morceau. Je vais vous faire encore pour la deuxième partie. Alors, ici, je mets la colle, encore une fois. Comme je dis. Et je mets sur l'autre morceau pour qu'il ait le temps de commencer à sécher un tout petit peu. Quand je vais arriver pour la coller, ça va se faire automatiquement au lieu d'attendre que ça se place et puis que ça reste positionné. Alors, comme je disais, je revise, je m'assure de bien faire mon angle 90 degrés et je presse avec mes doigts et là, je vais aller presser de chaque côté. Alors, je presse au centre, ensuite, je vais glisser en bas et glisser en haut. Et je vais reviser pour être certaine que je suis bien au fond avant que ça soit immobilisé. Parfois, on a une petite poche ici, puis ça ne fait pas vraiment joli. Là, vous voyez que les coins sont bien couverts. Même qu'il y a une petite pointe que je vais couper, je vais vous montrer tout à l'heure. Alors là, je fais encore la même chose. Alors là, ici, je vais le faire comme ceci. Une partie à la fois. Ça, j'en fais un autre bout. Je m'assure que ce soit bien comme ceci. Je presse. Et un autre. Quand c'est long, on fait par trois sections. On va revenir. Je m'assure que c'est bien au fond. Bien au fond. Et je tiens et je presse. Ça, vous avez un résultat très propre. Et là, ce qu'on fait ensuite, alors je prends encore ici ma règle où je pourrais prendre un bone folder. C'est ici. Quelque chose de rigide qui est plat. Alors, on va tout simplement presser tout le long pour vraiment accentuer l'angle, les deux angles de 90 degrés. Là, vous allez voir peut-être des petites pointes. Alors, parfois, ça se rejoint bien. Ça dépend combien trop loin on est allé couper. Alors, ici, j'ai une petite pointe. Tout juste la petite pointe. Elle n'est pas trop ras parce qu'on ne veut pas voir le carton dessous. Tout juste la petite pointe. Je vais faire une autre ici. Tout juste la petite pointe. Pas trop ras. Ici, elle est plus grosse. J'ai dû couper trop loin que mon 1 mm de carton. Voilà. Tout simplement. Si vous voulez, mettez une petite goutte de colle et les pendre juste comme ceci. Ça va renforcer le point. Puis vous laissez sécher. Alors là, on a notre couvert. Alors, on va presser comme ceci. Et on va faire les plis ici et ici. On a notre couvert. C'est un gros album quand même, hein? Pour un premier, ceux qui sont le premier. Voilà. Alors, ici, moi, ce que j'aime bien, mais premièrement, ce que je vais faire, je vais encore mettre mes flèches. Alors, je sais que mon haut est ici. Parce que là, on va commencer bientôt à avoir un sens. Alors là, ce que j'ai fait, maintenant, on va couvrir la tranche. Alors, si vous voulez couvrir de papier, vous devez d'abord faire un papier à la grandeur ici, couvrir tout ça, ce que je vais faire dans quelques minutes, je vais vous montrer comment. Et ensuite, vous allez calculer votre papier qui va arriver à environ 1 mm ici, dépasser peut-être 1 cm comme vous voulez, comme ceci, et 1 mm ici, ça va être comme emballé. Et moi, je ne le fais jamais comme ça. Alors, peut-être qu'il y aura un petit quelque chose que je ne saurais pas vous conseiller, mais je fais voir d'autres tutos. De toute façon, tout le monde le fait comme ça. Alors là, moi, je me suis taillé un morceau de tissu. Alors, j'ai décidé que ce serait mon tissu de tranche à l'extérieur, qui va très bien avec les licornes. Alors, ce que je fais, c'est que je vais commencer par coller. Bon, on va le faire comme ceci. Ok, comme ceci. Pendant que ma colle vient au bout, je réfléchis. Alors, on met la colle. Ça, c'est la colle pour le tissu. C'est la 3 dans 1. Ou vous pouvez avoir la Fabri-Tac. Il y en a peut-être d'autres sortes en Europe. Je ne les connais pas. Alors là, je vais prendre mon tissu vers le haut. Et je vais juste coller environ 1 cm. À peu près l'épaisseur qu'il y a ici. Parce que vous avez coupé votre morceau 1 cm et demi plus long chaque côté. Alors vous avez mesuré 1 cm plus long chaque côté et 1 cm plus long en haut et en bas. Comme ceci. Là, je vais faire, je vais suivre ma ligne de où mon tissu arrive. Et je vais faire une ligne de chaque côté du pli. Alors vous voyez le pli qui est ici. J'ai fait une ligne de colle chaque côté. M'assurer que mon tissu va bien coller là. Même chose ici. Alors, il faut en mettre amplement, mais
pas des grosses gouttes, mais des petites gouttes un peu partout. Comme ceci. Jusqu'au bas. Là, je vais l'étendre un petit peu. Mais là, j'ai suffisamment de. Je me suis alloué suffisamment de tissu autour. Ça devait se faire flatter. Ensuite, on colle ici, tout simplement. Alors, c'est important de faire l'étape de toute la tranche avant d'aller avec les couverts parce que on veut que nos tissus ici vont couvrir tout ça ici. Bon. Là, ici, moi, j'ai de la fourrure. Alors, ce que je dois faire, si j'avais choisi de le faire en fourrure, mon ciseau. Alors, je vais enlever une petite couche de fourrure. Que quand j'arrive pour coller mon tissu, ma petite bordure, que ça colle pas dans le vide. Alors, il ne faut pas enlever le tissu derrière, juste les poils sur le dessus. C'est un petit peu plus... Surtout sur les coins, c'est là que je vais l'avoir plus que autre chose. Comme ceci. Là, je m'assure que ça va bien coller sur les coins. Vous voyez, je n'ai pas suffisamment mis de colle. Je ne me suis pas rendue jusqu'au bout parce que mon tissu était plus long. Mais ça va. Je vais en ajouter un petit peu. Et on ne colle pas à l'intérieur des espaces ici. Bon, ensuite, on doit décider ce qu'on va mettre sur le dessus du papier, parce que, c'est-à-dire le dessus du couvert et l'arrière du couvert. Parce que quand on va arriver avec notre dentelle, notre garniture qu'on veut mettre ici, alors, on veut comme couvrir les deux et le papier. Et on ne veut pas voir le joint du tissu au papier. Alors, c'est ce qu'on va couvrir avec ça. Alors, c'est pour ça qu'on doit poser le papier. Et puis ensuite, on va tout simplement couvrir le joint des deux. Là, je m'assure qu'il y en ait un peu partout. Je vais revérifier. Il en manque un petit peu. Ceci. Bon. Alors là, j'ai choisi mon papier. Alors là, c'est important à partir de ce moment-ci de vraiment suivre la direction de nos flèches qui nous indiquent le haut et le bas de l'album. Alors, notre album est comme ceci, et là, on travaille sur le dessus. Alors, on l'ouvre comme ceci. Alors, n'allez pas travailler ici pour le dessus et ici pour l'arrière, parce que là, vous les inversez. Alors, vous travaillez à droite sur le dessus. Alors, moi, je vais prendre cette belle licorne magnifique, et je vais calculer encore là 1 mm chaque côté pour la hauteur. Et puis, même chose ici. Mais là, je vais devoir trouver un ruban. Alors, si vous fermez avec un ruban, on doit poser le ruban avant. Alors, je vais regarder avec vous ce que j'ai. Je pense que celui-ci est très bien. Alors, on va coller nos rubans. À peu près centré. On se laisse une bonne... Si vous avez un bon album très, très volumineux comme celui-ci, il faut se laisser plus de longueur de ruban pour faire une boucle, puis c'est parce que ça doit emballer tout ça. Là. Alors, on va aller jusqu'ici. La boucle doit être ici. Alors, on se garde au moins un autre 40 cm de plus. Et je coupe en billets. Je vais m'en couper un autre morceau à peu près identique. Comme ceci. Et je coupe droit. Oups! Il ne reste presque plus. Je vais devoir aller m'acheter des rubans. Bon, alors là, lui, il n'est pas tout à fait centré. Je le centre. Comme ceci encore un petit peu. Et je vais mettre l'autre vis-à-vis. Là, je ne suis pas centrée. J'essaie de centrer au maximum. C'est mieux qu'on peut. Fait mesurer, tout simplement. Bon, alors là, mes rubans sont posés. Alors, voilà. Là, je vais aller avec mon papier. Alors là, j'ai tracé une marque pour la hauteur. Maintenant, je vais aller encore là 1 mm du côté jusqu'au tissu. Alors, vous voyez, 1 mm jusqu'au tissu. Je vais faire ça. Puis, je vais faire la même chose pour l'arrière. La colle à papier derrière, puis juste vis-à-vis mon ruban, je mets de la colle à tissu. Ça va aider au ruban à rester immobilisé les deux côtés, parce
que j'ai déjà fait ça une fois un côté seulement, puis j'avais oublié de le coller sur le deuxième côté, puis ça s'était décollé à la longue. Alors, je préfère le faire deux côtés. Alors, 1 mm tout le tour, on essaie de bien enligner, on enlève la colle d'excédent, si je n'ai pas effacé. J'oublie toujours d'effacer mes petites... Où est-ce qu'on est mon efface? Ici. C'est dangereux d'effacer après que la colle soit mise, parce que si la colle déborde, ça va être l'efface, vous allez tout salir votre papier qui est derrière. Ici, c'est pas trop grave, parce que je vais le couvrir, là, mais quand même. Alors là, je vais presser de tout pour qu'il n'y ait pas de bosse de colle, toujours. Ça, c'est un petit outil qui est très, très utile. Et vous n'avez pas besoin de payer 12 euros pour en avoir un. Hein. Vous pouvez payer 2 euros. Ça va être suffisant. Ensuite, l'arrière. Celui-ci n'est pas suffisamment grand. Alors que je me trouve... Oh, l'arrière, je m'étais dit que je mettrais ceci. Alors ici, je vais mettre celui-ci. Je vais prendre ce côté-ci. Alors, 1 mm sur le côté, en bas et en haut. Même chose. Comme ceci. Oups, j'ai pas mis la colle derrière. Je vous dis, il faut mettre la colle, puis je la mets pas. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais bon. Ça a l'air à bien vouloir coller. Je ne voudrais pas mettre la colle ici parce que c'est pas très joli quand on met la colle sur le ruban. Ça s'enlève à l'eau. Hein. Cette colle, ce que j'aime, c'est qu'on a habituellement sur le papier en tout cas, on a comme quelques secondes de pitié qu'on peut enlever. Mais là, c'est tellement. C'est comme ça, avant de trop le endommager. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre tout simplement une goutte de colle sur mon ruban. Tout simplement. Alors là, on s'assure d'être bien avec la flèche en haut. Comme ceci. Comme ceci. 1 mm tout le tour, bien droit, bien égal. Ici, je ne suis pas égale. Quelque chose qui fait que je ne suis pas égale. Je suis égale. Pas tout à fait en angle droit. Voilà. Ensuite, vous décidez ce que vous allez mettre comme garniture. Alors, moi, j'ai une dentelle ici. Alors, je vais la mettre tout juste sur le rebord du tissu ici. Alors là, ça va être difficile à cause que c'est de la fourrure, là, mais je vais tenter. Bon, on va commencer par avoir la colle. Je vais tenter d'en mettre suffisamment. Je pourrais aussi un petit peu... Alors, ça vous fera un petit tuto comment installer quand on a de la fourrure. On enlève le plus long au moins, là. Alors, je vais en faire un, puis je vais vous laisser faire le reste. Puis ensuite, je vais revenir avec la façon d'installer les pages. Vous en mettez suffisamment, ça va passer au travers du tissu, ça va se coller au papier. Alors ici, vous devez laisser un petit excédent. Alors ici, je vois qu'il est décousu, alors je vais laisser l'excédent comme ceci, chaque côté. Alors là, il faut plier pour voir où est-ce qu'on est, idéalement, pour voir si on est bien droit. Et on étire. Si on le tire comme ça, vous voyez, il se place tout droit. Ouch! Je me suis coupée, puis la colle sur-dessus, ça chauffe. J'ai coupé, je ne sais pas comment, avec ma lame, j'imagine. Alors là, vous tirez, vous assurez que ce soit bien droit. Et vous coupez l'excédent. Vous voyez, là, on a le tissu, on a le ruban ici qui commence à accumuler. On va devoir couper un peu de... On va couper ici tout le long, là. Tout ça, on va couper ça avant de mettre notre papier tout à l'heure. Alors ici, je vais le
coller comme ceci pour abattre les choses en bas ici. J'ai beaucoup de poils ici. Il a fallu que j'en enlève un peu plus. Parce que là, ça va juste coller après le poil. Ça ne collera pas sur le carton. Vous voyez, ça colle juste sur le poil. Je n'ai pas choisi le meilleur tissu pour vous démontrer comment faire. Ce n'est pas le plus facile. Oups. J'en mets jusqu'au fond. Alors, quand je vais appuyer, ça va coller jusqu'au fond. Même chose ici. Jusqu'au fond du tissu, en dessous des poils. Ça va coller. Puis on va tout réunir ça, on va tout cacher ça avec un papier par la suite. Alors, vous faites ça. Ensuite, vous allez faire la même chose avec une deuxième garniture, si vous voulez. Moi, j'installe une deuxième garniture. Ici, je vais enlever l'excédent. J'en ai un petit peu trop, je trouve. Gardez un centimètre et demi à peu près. Et je ne sais pas s'il va finir par coller jusqu'au fond. Alors, par la suite, je vais tout simplement garder la belle petite garniture avec les petits papillons. Je trouve ça vraiment joli. Alors, je vais le coller. Je peux décider quel côté je vais l'avoir. Je vais l'avoir ce côté-ci. Alors, lui, je vais devoir coller papillon par papillon. Alors, je vais commencer par le deuxième. Je colle sur chaque papillon. Je vais commencer par ceci. On va voir où est-ce qu'on en est. Alors, je vais tenter de centrer le papillon. Alors, comme ceci, c'est parfait. Alors, je le mets sur sur le rebord de ma dentelle, comme pour cacher un peu ce rebord. Lui, je vais pouvoir le couper ici. Alors, lui, il va aller... Non, ça ne colle pas encore. Alors, lui, il va aller ici. Puis lui, il va aller... ici. Faites attention à votre colle qu'elle ne touche pas votre ruban, parce que c'est difficile à enlever. D'ailleurs, ici, je regarde, j'ai mis le côté satiné du bon côté. Alors, il y a un côté, parfois les rubans de satin ne sont pas satinés des deux côtés. Alors, ça vaut la peine de regarder pour s'assurer qu'on a du bon côté. Idéalement, sur le dessus, hein, que ce soit satiné. Bon, on dirait que ça veut coller. Alors, faites ça. Faites la même chose de l'autre côté. Et ensuite, je vous reviens. Et puis, on va installer notre interaction ici de la grande poche. On va la terminer. On va faire l'interaction ici, qui est très facile, vous allez voir. Ça prend trois sortes de rubans ou dentelles. Pas plissé, alors on veut quelque chose de droit. Ça va pour mettre des cartes à l'intérieur. Et puis, on va ensuite poser nos pages avec les bandes. Alors, ma technique que je fais de... On empile et on plie. Alors, ensuite, ça va être terminé. Vous restez à décorer vous-même. Alors, je vous reviens avec la suite tout à l'heure. À tantôt.